Celle-là, c'est pour mon titi, celle-là. Ça, c'est pour mon petit titi qu'elle a. C'est un de mes petits gremlins, mon titi, que j'aime de tout mon cœur. Ça, c'est titi. Non, non, ça n'a rien à voir avec vous. C'est un petit ouistiti. C'est un petit ouistiti. Il arrive au bar, clac, il s'accroche au comptoir. Il dit au barman, vous avez des bananes? Et le garçon dit non, on n'a pas de bananes. Vous avez des bananes? Il dit non, je viens de vous dire qu'on n'avait pas de bananes. Vous avez des bananes? Il dit, oh, t'arrêtes, hein? Je préviens, tu me demandes encore un coup si j'ai des bananes, je te cloue la langue sur le comptoir. Le petit singe lui dit, vous avez des clous? Et le garçon lui dit, non, j'ai pas de clous. Alors vous avez des bananes? C'est pour mon titi, celle-là. C'est un Marseillais complètement bourré qui sort de boîte, il a chopé une gonzesse, tu vois, et il l'a coincé sous une porte cochère, tu vois, il l'a appuyé contre le mur comme ça, tu vois, il tient plus debout, tu vois. Il lui dit, toi, je vais te prendre par devant, par derrière, tu vois, à la BM, je vais t'allonger sur le capot, je vais t'arracher ton slip, ton string, ta jupe, je vais te prendre, je vais te retourner, je vais te reprendre dans tous les sens, tu vois, l'impression que j'ai 6 bites, hein. Et là, à un moment, il y a une fenêtre au-dessus qui s'ouvre, il y a un mec qui fait « Hey, 6 bits, tu la prends comme tu veux, mais tu lâches l'interphone, s'il te plaît !» La femme qui va chez son médecin, mais tu vois, tous les 15 jours, elle est chez son médecin, tu vois, elle le gonfle bien. Alors elle me dit « Docteur, je suis obligé de revenir vous voir parce que j'ai une déchirure. » Je lui dis « Bon, déshabillez-vous. » Il dit « Non, mais docteur, je vous dis, moi, de vous déshabiller. » Des habits, tu lui dis, soutien-gorge. Vraiment, dis, parce que je. Allez, le reste, la jupe, le string, tout, on dirait tout. S'exécute, il dit, mettez-vous à 4 pattes. Il dit, quoi? Mettez-vous à 4 pattes. Ça se met à 4 pattes. Le médecin, il arrive derrière, il défouraille, il attrape comme ça. Il dit, voilà! Ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. Vous voulez que je leur fasse une paire d'autres? Tu demandes pas, t'as rien, hein?